Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe du vendredi. Salut à tous les cinq. Bonsoir Babette. Marion, votre choix de l'actu du jour. Je vous parle de l'image du jour, celle des obsèques d'Ivan Colonna. C'était aujourd'hui à 15h à Cargès, en Corse. Mohamed, votre story. L'ouragan de la famine arrive en Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général des Nations Unies. 45 pays sont menacés. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Pierre, exceptionnellement, pas d'œil ce soir, mais vous avez voulu voir Limoges. Oui, parce qu'il y avait là-bas et un meeting en milieu de semaine d'Anne Hidalgo, mais aussi la présence de François Hollande. C'était pas triste et il a singulièrement visé Jean-Luc Mélenchon. On voit les images dans un instant. Patrick, votre édito. Sur les rapports entre la France et l'OTAN, quelques revirements de candidats à la présidentielle ces jours derniers à cause de la guerre. L'actualité que l'on commente ce soir avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui publie Le laboureur et les mangeurs de vent, liberté intérieure et confortable servitude, c'est chez Odile Jacob. Bonsoir Boris Cyrulnik. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Mais d'abord, Mathieu, la guerre en Ukraine. Oui, et la révélation d'échanges entre soldats russes, on en a passé un court extrait hier soir, mais ce sont des centaines d'heures de communication interceptées par des Ukrainiens et des Américains au total, des échanges non cryptés et même un piratage. Écoutez, ces Ukrainiens qui se moquent de leur ennemi. Passer le sourire, ces interceptions de communication ont aussi surtout permis de connaître des mouvements de troupes à l'avance. Des riches informations pour l'Ukraine qui résiste, comme ces villes libérées ces derniers jours. Ici, Makariv, en banlieue de Kiev, dont les Russes ont perdu le contrôle. Ils nous encerclaient. Ils sont entrés même dans le centre-ville. On les a repoussés à l'extérieur il y a deux jours. Clairement, ils voulaient finir de nous couper les communications. Ici, un quartier de Kiev qui était sous contrôle russe aussi, ils en ont été éloignés. Les interceptions radio ont également dévoilé des moments de grande difficulté. Et les Ukrainiens entendent bien jouer de cette pression psychologique en continuant à diffuser des soldats russes captifs ou, comme le président, en nommant des héros. Про присвоєння звання Героя України 7 військовослужбовцям Нацгвардії, із них, на жаль, 5 посмертно. Про присвоєння почесної відзнаки місту Герой України ще 4 містам Буча, Ірпінь, Охтирка, Миколаїв. La réalité du terrain, ce sont des positions qui se figent, des combats qui peuvent durer. Ici à Kiev, d'un côté comme de l'autre, on creuse des tranchées. À Kharkiv également, on creuse, on s'installe et on vit au rythme de la guerre. Les shifts sont longues durant la journée, mais à la nuit, quand c'est froid, on swap often. It's okay, you get used to it. Humans can adapt. Такая штука, он быстро ко всему адаптируется. Humans can adapt to everything. Ce char russe sert à déminer le terrain. Les champs ont été minés par les Ukrainiens. Les troupes de Poutine aiment montrer leur matériel. Des tanks comme des armes. À l'image, la communication de l'armée russe sur le déploiement d'un nouveau lanceur de missiles sur le terrain. Les bombardements ont continué la nuit dernière, au plus fort sur Kharkiv notamment, où certains vivent dans le métro depuis un mois. Dans les caves des plus grandes villes, on s'organise, on installe le Wi-Fi même. Il y a les tranchées à la surface et il y a la vie en sous-sol. Comme vous le voyez ici dans une cave d'Odessa, le réseau. Mais on installe aussi des couchages. On s'installe, en fait. À Kiev, la nuit dernière a été marquée par un bombardement en particulier. La Russie affirme avoir touché le principal dépôt de carburant des Ukrainiens, provoquant ce faisant un incendie et ce nuage de fumée sur la ville. Ce soir, l'état-major russe affirme que les capacités de combat ukrainiennes ont été réduites de manière importante, ce qui permet à l'armée de désormais se concentrer sur la libération du Donbass, sur l'est de l'Ukraine, à suivre. Il y a 9 jours, le bombardement du théâtre de Mariupol, un nouveau bilan évoque
300 morts. La mairie de Mariupol promet de plus amples informations ce soir. 130 personnes ont été sauvées, mais vous découvrez ces images de l'intérieur. Après la frappe, on dit que des centaines de réfugiés s'y cachaient. Et suite à l'attaque, ces images d'un centre de soins de la ville, des victimes, des blessures de guerre, des morts aussi, dans ce qui est devenu une ville martyre. Des images difficiles, comme cette morgue-là. On est à Mykolaïv à présent, il y a quelques jours. Mykolaïv, où l'on ne sait plus quoi faire des corps. Mykolaïv, d'où sont parties les frappes qui ont touché des navires russes hier matin. Утопили корабль «Оркс». «Оркск», путаю постоянно. Говорю, что у них еще теперь субмарина появилась, «Оркск», которая там у них теперь на дне лежит. Так понимаю, еще пару штук скоро будет тоже субмарин новых, дорогих. Хорошо, что французы не продали им эти «Мистрали». Les États-Unis poursuivent leur soutien matériel à l'Ukraine, comme promis par le président américain la semaine dernière. Mais on voit aussi des citoyens américains sur les zones de combat. Comme beaucoup d'Européens, ils sont venus défendre l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est le président des États-Unis qui arrivait en Pologne, aux portes de la guerre, a-t-on dit, à la frontière en tout cas, à la rencontre des soldats déployés aux confins de l'OTAN. Your generation, we're at an inflection point. About every four or five generations that comes along and changes, fundamental change takes place. Who's going to prevail? Our democracy is going to prevail and the values we share, or autocracy is going to prevail. Joe Biden qui promet aussi d'accueillir 100 000 réfugiés sur le sol américain. C'est par cette frontière ukraino-polonaise qu'il passe en nombre. Écoutez cette petite fille accueillie à l'école en Pologne. Ils sont, selon l'UNICEF, un peu plus de 4 millions d'enfants. La moitié des petits Ukrainiens avoir dû quitter leur foyer pour fuir la guerre. Réfugiés en Pologne ou ailleurs en Europe, là où ils sont accueillis avec parfois ou sans leur famille. 4 millions d'enfants qui doivent surmonter la peur de la guerre, l'angoisse du déracinement. Mais que l'on voit sourire. Il est déroutant ce sourire, Boris Cyrulnik. Non, c'est parce qu'ils sont bien accueillis, donc ils sont sécurisés. L'accueil est parfait. S'ils étaient seuls, ils ne souriraient pas. Si leur mère était là en pleurant, ils pleureraient. Si leur mère était là en souriant, ils souriraient. Ils sont bien entourés. C'est ce qu'il faut faire pour que ces enfants ne soient pas durablement traumatisés par l'épreuve qu'ils traversent, parce qu'un déracinement, c'est forcément une épreuve. Forcément. Ce n'est pas toujours un trauma, mais c'est forcément une épreuve. Il faut distinguer l'enfance préverbale, les premières années, où l'état de l'enfant dépend de l'état de la mère. Si la mère est sécurisée, l'enfant se débrouillera pour bien se développer. Si la mère est insécurisée, l'enfant sera mal. Quand l'enfant commence à parler, il faudra lui expliquer, parce que le silence est angoissant. Et l'explication trop précise transmet l'horreur. Et ensuite, vers l'âge de 6-8 ans, quand les enfants accèdent à la représentation du temps, à ce moment-là, il faudra leur expliquer, voilà, c'était un peuple proche, incroyablement proche, et quelque chose s'est passé qui a déclenché la guerre. Mais ça, on pourra leur expliquer qu'à partir de l'âge de 6-8 ans. Mais un déracinement, c'est une agression. Tout d'un coup, tout devient compliqué, puisqu'on ne peut pas s'exprimer dans sa langue maternelle. Il faut apprendre une autre langue et se débrouiller avec cette langue-là qui... C'est un arrachement. S'ils sont seuls, là, il y aura beaucoup de dégâts. Mais s'ils sont bien accueillis, s'ils sont bien entourés, il y aura des dégâts, mais beaucoup moins. De toute façon, les langues, pour les Ukrainiens ou les Russes, ce n'est pas un problème. Tous les Ukrainiens parlent déjà russe, contrairement à ce que j'entends dire. Ils parlent tous russe, et même souvent, c'est leur langue maternelle. Donc je pense que c'est un argument utilisé pour légitimer la guerre. Donc, mais de toute façon, ils parleront 3-4 langues. Dès le début de votre ouvrage, vous revenez sur votre enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, vos parents arrêtés puis déportés à Auschwitz, dont ils ne reviendront pas. Vous-même confié à l'assistance publique, arrêté à votre tour à 6 ans avant de réussir à vous échapper. Ces images de guerre, vous pensiez que vous finiriez votre vie sans les revoir ? J'étais convaincu de ne jamais... Je les revois.
avec une émotion difficile à contrôler parce que ces images, elles réveillent des souvenirs que vous pensiez enfouis, Boris. C'est ça, exactement. J'étais convaincu que ça ne reviendrait pas. Et quand je vois ça, ça me rappelle des choses que je croyais oublier et qui n'étaient que enfouies. Ces choses-là, c'était... Le bombardement, l'exil, la mort, les barrages, le risque d'être arrêté. L'attente de la mort, bien de sûr. Votre propre mort. Alors, vous... Ah ben, je ne l'attendais pas, je savais qu'on voulait me tuer, c'était dit. Les gens le disaient, j'entendais autour de moi, s'il y avait eu deux tables, une, et les gens autour de moi disaient, il faut aller se diriger vers cette table, comme ça tu iras dans un camp de travail, et tu ne mourras pas, mais si tu vas dans cette table, tu mourras. Le problème, c'est qu'on ne savait pas quelle table condamner à mort. Vous étiez convaincu que les leçons du passé avaient été retenues, d'où la sidération d'abord à l'annonce au premier jour de cette guerre en Ukraine. C'est le mot, voilà, sidération, impossible de comprendre. C'est impensable, pour l'instant, il n'y a pas de compréhension possible, tellement c'est fou. Je ne comprends pas pourquoi il y a une guerre, pourquoi il y a une telle rage. J'ai envie de dire une bêtise, il n'y a pas de raison de faire la guerre. Votre nom est d'origine ukrainienne, ça signifie grand barbier. Votre père était ukrainien, votre mère polonaise. Et depuis que la guerre a éclaté, des cyrulniks d'Ukraine vous ont écrit. Que vous disent-ils dans les lettres qu'ils vous envoient? Ah ben, ils me demandent, est-ce qu'on n'est pas de la même famille? Est-ce que... Ils m'envoient des photos. C'est votre oncle, mais je ne sais pas si c'est mon oncle ou ma tante. Donc on m'envoie des photos, on m'envoie beaucoup de déclarations d'amour. On me dit, mais j'ai bien connu votre oncle, mais moi je ne l'ai pas connu. Alors, c'est intéressant de retrouver ses racines. Je ne connaissais pas mes racines jusqu'à maintenant, ben voilà, elles sont là. Le responsable, l'agresseur, c'est Vladimir Poutine, et Poutine coche pratiquement toutes les cases de ce que vous appelez, Boris Cyrulnik, un escroc culturel, un sauveur autoproclamé. En revanche, vous refusez qu'on explique ces actes par la folie, c'est un leurre, dites-vous, et ça empêche d'essayer de comprendre. Vous pouvez développer un peu, s'il vous plaît? Mais oui. Dans les années d'après-guerre, on expliquait la guerre par la syphilis de Hitler, ou la paranoïa de Hitler. La syphilis, c'était la maladie à la mode, et j'avais 7 ans, donc j'étais capable de comprendre que c'était une explication insensée. En quoi la syphilis d'un homme pourrait-elle expliquer pourquoi mon voisin m'a dénoncé pour être arrêté? C'est pas de sens. Même s'il a une syphilis, on le soigne. Mais en quoi ça peut expliquer un phénomène mondial de 50 millions de morts et de ruines mondiales? Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que la voisine appelait la police quand Hélène Baer, une étudiante juive, s'assoit dans le petit jardin qui est en face de la Sorbonne? Et elle téléphone indignée parce que les juifs ne respectent pas la loi, parce que ce jardin était interdit aux juifs. En quoi la syphilis d'un homme, en quoi la syphilis d'Hitler peut expliquer ça? C'est-à-dire qu'en fait, il y avait tout le monde s'était transformé en petit dictateur, en petit Hitler, et chacun pouvait dénoncer au nom de la morale. En revanche, l'observation que vous faites des caractères et des comportements des hommes et des femmes vous fait dire qu'il y a quand même chez Poutine apparemment une absence totale d'empathie. Alors ça, c'est clair. Je pense que c'est même une très bonne méthode pour accéder au pouvoir. Si par malheur, vous vous mettez à la place des autres, vous souffrez à la place des autres et vous n'êtes pas doué pour la politique. En revanche, si vous avez un arrêt de l'empathie, alors l'arrêt de l'empathie, on dit ça des pervers, vous savez, on dit... Mais pervers, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un bébé attend l'âge de 4 ans à peu près pour se décentrer de lui, pour se représenter le monde d'un autre. Avant 4 ans, il est centré sur lui et sur sa mère. Il y a une petite niche sensorielle, le reste du monde, il ne le voit pas. Et à 4 ans, il s'intéresse à ce qui se passe dans l'âme des autres, dans l'esprit des autres. Et là, il quitte un peu sa mère pour observer le monde. Et quelque chose se passe qui fait que ces gens-là, pour des raisons de développement, ce n'est pas pour des raisons de folie,
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il a eu une enfance extrêmement dure. Mais pour des raisons de développement, il ne s'intéresse pas au monde mental des autres. Il reste prisonnier de lui et de son immédiat. Donc il passe à l'acte, il peut tuer sans aucune culpabilité, comme Eichmann, comme tous ces gens-là. Aucune culpabilité, ce qui compte, c'est moi. Ma seule loi, c'est celle de mon désir. Je veux gagner la guerre, je veux éliminer les Juifs, je veux chasser les étrangers. La seule loi qui compte, c'est celle de mon désir. Vladimir Poutine, qu'il faut distinguer du peuple russe. La simplicité, la facilité, ce serait d'imaginer que tous les Russes le soutiennent. Je pense qu'il n'imagine pas, il en est convaincu. Puisqu'il vit dans son monde, il ignore le monde. Mais il ne faut pas que nous considérions que le peuple russe soutient massivement Vladimir Poutine. Alors absolument, j'avais mal compris votre question. Absolument. Je suis un peu... On ne peut pas agresser le peuple russe. Ils ont fait une partie des plus belles de la culture française. On ne peut pas interdire Tolstoï, on ne peut pas interdire Dostoïevski, on ne peut pas interdire le Bolchoï, Tchaïkovski, et puis... on ne peut pas les interdire. Et d'autant que ces gens-là, justement, sont souvent opposés à Poutine, peut-être même les ennemis de Poutine. Donc au contraire, je pense qu'il y avait la même chose dans l'Allemagne nazie. À Sanary, il y avait des Allemands qui avaient fui l'Allemagne nazie, qui se sont réfugiés à Sanary, parce que Curie les avait attirés. Et ces gens-là ont été agressés par les gens de Sanary quand il y a eu la guerre. D'autres gens les ont protégés parce qu'ils ont compris que c'était des opposants au régime hitlérien. Donc là, il se passe exactement le même phénomène. Je ne connais pas les chiffres, mais beaucoup de Russes sont malheureux. J'étais à Menton hier, il y a plein de Russes. C'est un pays de Russes. Et ils me disaient à quel point ils étaient malheureux, bouleversés, parce que cet homme et les suiveurs, les mangeurs de vent, cet homme et les suiveurs inflige aux autres. Donc je pense qu'au contraire, il faut accueillir tous ces Russes qui ont fait la beauté de la culture française. Oui, parce qu'il n'empêche, vous vous interrogez dans votre livre sur les raisons qui conduisent certains à adhérer à des discours totalitaires, à se soumettre. Vous les appelez les mangeurs de vent, que vous opposez à ceux qui pensent par eux-mêmes, qui conservent leur esprit critique, que vous appelez les laboureurs. Mais voilà, en période de guerre, on est forcément plus vulnérable au discours totalitaire, vous dites ? Mais bien sûr. Pourquoi est-ce que le discours totalitaire embarque tellement de gens ? C'est parce que quand on est confiant, quand on est sûr de soi, on juge. On prend un renseignement par-ci, un renseignement par-là, puis ensuite on analyse et on juge. Et quand on est malheureux, on espère le sauveur. Il se présente en sauveur. Tous les dictateurs se sont présentés en sauveur. Quand on a besoin d'un sauveur, c'est que le peuple est en difficulté. En difficulté économique, en difficulté culturelle. Et ça a toujours existé. Quand on a besoin de héros, c'est que quelque chose ne va pas. Dans votre livre, vous décryptez la recette du bon discours totalitaire. Parlez simplement, prononcez souvent le mot « peuple », placez de temps à autre une allusion vulgaire, mais pas trop, juste assez pour mettre un peu de sel sur vos mots, éviter l'étiquette « élite arrogante ». Quand vous désignerez l'ennemi extérieur, l'étranger ou intérieur, le traître, faites des gestes illustratifs, comme un chanteur d'opéra qui meurt assassiné par un collègue de scène, ou encore concluez votre envolée par un slogan empathique « si vous voulez vous libérer », obéissez, votez pour moi. Une recette qui permet à bon nombre de dictateurs d'arriver au pouvoir démocratiquement. Hitler a été élu démocratiquement. Et ce que vous venez de dire, si vous voulez vous libérer, obéissez, c'est une phrase d'Hitler, c'est une phrase des jeunesses hitlériennes. C'est-à-dire qu'on apprenait ça aux enfants. Je connais une femme qui a quelques années de plus que moi, qui a passé son enfance dans les jeunesses hitlériennes. Devinez la couleur de ses cheveux. Elle est blonde. Et on lui disait, tu es belle, ce qui était sûrement vrai, ne va pas à l'école, ce qui ne l'embêtait pas, tu vas mettre au monde des enfants, des garçons de préférence pour faire la guerre, ce dont elle était fière, et si tu fais ça, tu vas donner au peuple allemand 1000 ans de bonheur. Ça a été dit. Toutes ces recettes de discours totalitaires ont été dites. Et ça marche tragiquement bien. Est-ce qu'en France, il y a un risque pour que les électeurs, les Français, deviennent des mangeurs de vent? Ça existe déjà.
par bonheur, ils ne sont pas majoritaires. Et ce qui est embêtant avec les mangeurs de vent, c'est qu'ils sont convaincus, puisqu'il n'y a pas d'argumentation possible avec eux. Si vous jugez, on peut vous dire, vous pesez le pour et le contre, vous pouvez faire une hypothèse, ça ne marche pas, vous faites une autre hypothèse. Les mangeurs de vent sont convaincus, c'est-à-dire que l'ignorance est un facteur de conviction. Quand vous êtes scientifique, quand vous êtes laboureur, vous allez sur le terrain. Et sur le terrain, vous voyez bien que ça marche un peu, ça marche moins bien. Vous hésitez, vous introduisez la nuance. Alors que si vous soumettez à un chef que vous vénérez, parce que les dictateurs sont adorés souvent, adorés. Si vous vous soumettez à un chef adoré, la moindre contradiction est un blasphème. Et là, vous risquez votre vie. Est-ce qu'il y a un moyen pour rester ou être un laboureur et ne jamais être un mangeur de vent ? L'école, la culture, le roman, le cinéma, tout ce qui introduit le doute, tout ce qui introduit le mélange des cultures. Je vais te montrer la vie intime, tu n'y crois pas, mais je vais te montrer la vie intime de cet homme, cette femme qui arrive d'un pays étranger. À la fin du film, vous avez vécu avec eux pendant une heure et demie. Votre empathie est modifiée. Si vous habitez un seul monde de conviction, les récits d'Hitler, c'est toujours les mêmes. C'est un monorécit. Tous les dictateurs, il y a un récit et ceux qui n'ont pas le même récit sont déportés, rééduqués, torturés, tous les participes passés que vous voudrez. Il y a un récit. Alors que quand il y a une culture, quand il y a du cinéma, quand il y a du roman, quand on peut visiter, quand on peut voyager, on compare, on doute et on juge. La guerre en Ukraine, qui évidemment est un enjeu majeur de cette élection présidentielle, dont le premier tour est le 10 avril prochain, c'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Avec la guerre en Ukraine, c'est plus précisément le rapport de la France à l'OTAN et à la Russie de Poutine qui est devenu un enjeu majeur de la présidentielle, qui a conduit plusieurs candidats à quelques revirements. Oui, changement radical de discours sur Vladimir Poutine d'abord. Dirigeant admiré, devenu dictateur belliqueux, tout cela a été beaucoup vu, on en a parlé ici même. Mais en plus, tous ceux qui affirmaient qu'il n'y avait pas de menace russe et que notre intérêt était de s'éloigner ou de rompre avec l'OTAN ont été contraints de mettre un peu d'eau dans leur vodka. Ainsi, Marine Le Pen qui réaffirmait il y a un mois et demi un élément clé de son programme. Nous devons défendre librement nos intérêts, sortir de la logique belliciste des blocs pour renouer avec la stratégie d'équilibre qui a fait, je vous le rappelle, la grandeur de notre pays. C'est pourquoi nous sortirons du commandement intégré de l'OTAN, afin de ne plus être entraînés dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. L'OTAN qui en réalité n'a entraîné la France dans aucun conflit quand la France a été en désaccord, comme pour l'Irak en 2003, l'OTAN n'est pas intervenue. Les États-Unis n'y ont pas de voix prépondérante, contrairement à ce que semble penser Marine Le Pen. Ne veut pas sortir en réalité du traité de l'Amérique du Nord. Absolument pas. Ce que je souhaite, c'est sortir du commandement intégré de l'OTAN. Il s'agit bien sûr du traité de l'Atlantique Nord et non pas du traité de l'Amérique du Nord. Et puis hier soir, sur CNews, surprise et changement de pied, Marine Le Pen semble admettre que notre intégration dans les structures de l'OTAN a son utilité, puisque la sortie, eh ben, ce ne serait pas pour tout de suite. Il est sûr que compte tenu du conflit qui existe là, on ne va pas le faire alors qu'il y a une guerre dans un pays européen. Il ne faut pas donner le signal. D'ailleurs, je ne veux pas sortir de l'OTAN. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas question, surtout en ce moment, de sortir du camp occidental. Mais il faudra le faire. Voilà, pas maintenant, mais on va le faire. Même évolution, au même moment, dans le camp Zemmour. Marion Maréchal, ce matin, sur France Inter. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ce n'est pas une décision qui se prend comme ça. Il est évident que la guerre russo-ukrainienne risque de durer peut-être encore quelques semaines ou quelques mois, j'espère le moins longtemps possible. Mais donc l'OTAN est utile maintenant pendant la guerre, après le serait pas ? Il faudra de toute façon amorcer cette décision, mais cette décision, elle se... Voilà, l'OTAN, c'est nuisible en temps de paix, mais ça peut servir en cas de guerre, ce qui est bien normal puisque c'est la principale alliance de défense de la France. C'est ce qu'on peut appeler la stratégie du doigt mouillé. À gauche, le communiste Fabien Roussel, qui a inscrit dans son programme la sortie de l'OTAN, a dû admettre lui aussi que ce n'était plus sa priorité. Demain, président de la République, mon premier geste, c'est pas de quitter le commandement intégré de l'OTAN et d'appeler à sa dissolution. C'est de multiplier les efforts avec l'ensemble des pays de l'Union européenne, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, pour faire en sorte d'avoir les pressions les plus fortes sur Poutine.
pourtant inscrit dans son programme. Il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas changé de discours, sorti de l'OTAN au profit d'alliances altermondialistes dont le leader insoumis n'a pas défini le contour. Que changerait une sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN, ce qu'avait fait De Gaulle en 66? Eh bien, ça produirait l'effet inverse d'il y a 55 ans. En 66, la décision du général avait entraîné le départ de milliers de militaires américains stationnés en France, dans les bases de l'OTAN, il y en avait une trentaine à ce moment-là. Aujourd'hui, une sortie du commandement entraînerait le rapatriement de centaines de personnels et officiers français qui participent aux instances de l'OTAN. C'est par exemple un général français... Le général Philippe Lavigne, qui dirige le commandement chargé de l'adaptation des forces de l'OTAN aux enjeux émergents, ce serait moins une garantie d'autonomie qu'une perte d'influence. Boris Cyrulnik, la guerre, on le voit, déconstruit beaucoup de discours politiques, voire elle les démasque. Le principe de réalité s'impose. Je pense que là, on est dans la logothérapie, c'est-à-dire que... on se soigne en changeant d'idée. Mais souvent, on dit, quand on a dit quelque chose qui nous engage maladroitement, on dit, mais non, mais j'ai pas dit ça. Puis malheureusement, maintenant, il y a des archives, c'est embêtant, ça, parce qu'on a la preuve qu'on l'a dit. Alors, on tourne, mais c'est une grande habileté de comédien. La logothérapie, oui. C'est typique d'une campagne électorale aussi, ça. Ah ben, dans une campagne électorale, si on dit je vais augmenter les impôts, je vais réduire la liberté, on n'a pas beaucoup de chance d'être élu. C'est très inhabituel quand même dans une campagne électorale qu'un événement majeur, réellement majeur, historique en l'occurrence, vienne bouleverser un enjeu électoral et une campagne si près du scrutin. On a quelque chose d'absolument inédit. On pensait que ce serait la pandémie qui bousculerait cette campagne électorale. Or, depuis le 14 mars dernier, on ne porte plus de masque, on a des libertés retrouvées. Est-ce que pour autant, le choc de la pandémie est totalement dissipé? Non, je pense que le virus va provoquer une immense évolution culturelle. D'une part, sur le plan santé, on ne pourra plus raisonner comme avant, ou bien on se remet à consommer comme avant. Et dans 3 ans, il y aura un nouveau virus, il faudra tout recommencer. Ou bien on vote pour un dictateur, c'est pas impossible, hein, puisque il y a une catastrophe, votez pour moi, j'ai la solution, je vais vous sauver, donc c'est possible. Mmh. Ou alors, après le virus, on sera obligé de changer de manière de vivre ensemble. L'école ne pourra plus être la même, l'université va forcément changer, les métiers... Oui, étaient déjà en train de changer, ils vont encore plus changer. Le virus a donné la victoire au numérique. Parce que, donc, il va falloir changer notre manière de vivre ensemble. Les familles qui avaient déjà bien commencé à changer vont encore plus changer. Donc, on a le choix. Le nouveau virus, le dictateur ou la Renaissance. Et on enchaîne les chocs, hein. Il y a eu le choc pandémique, le choc de la guerre. Pour la résilience, ça la repousse d'autant. Et les deux sont souvent associés. Dans les guerres, il y a très souvent des épidémies. En 1919, il y a eu l'encéphalite épidémique, la grippe espagnole, qui n'était ni grippe ni espagnole. C'était une encéphalite. Et le tort des Espagnols, c'est d'avoir fait le diagnostic. Donc on a dit c'est la grippe espagnole. Ça fait autant de morts que la guerre. Et là encore, après chaque guerre, il y a une révolution culturelle. Après la Seconde Guerre mondiale, où les Français n'avaient pas été, l'armée française n'avait pas été glorieuse, le gouvernement de la France n'avait pas été glorieux, il avait collaboré, il avait anticipé les ordres du nazisme, et pourtant, dès mon souvenir d'enfant, c'était la gaieté des années 50, où il y avait tout à reconstruire, c'était l'époque où la CGT disait qu'il fallait faire des heures supplémentaires gratuites, construire la France. C'est vrai que le discours n'est plus tout à fait le même. Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité, c'est la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, la guerre en Ukraine qui pourrait créer une famine, notamment dans les pays les plus pauvres. Oui, c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Le prix des matières premières explose en Afrique. Des produits se font de plus en plus rares dans les magasins et qui sont souvent récupérés par le marché noir. Les pénuries se font ressentir dans quasiment tous les pays, du Malawi à la Tunisie, en passant par la République démocratique du Congo.
Le niveau de dépendance aux exportations de blé est très important en Afrique. Certains pays comme la Somalie importent tout leur blé d'Ukraine et de Russie. À près de 400 euros la tonne, la céréale devient inabordable pour les pays les plus pauvres. Le secrétaire général des Nations Unies explique que cette guerre devrait déclencher un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire dont l'Afrique serait la première victime. Aujourd'hui, les effets de la crise en Ukraine sont immédiats sur les populations qui luttent contre la faim. D'abord parce que l'Ukraine et la Russie sont des fournisseurs importants de denrées alimentaires de première nécessité. C'est la première chose. La deuxième conséquence va être la réduction de la disponibilité du blé, de l'huile et d'un certain nombre de denrées de première nécessité. La troisième conséquence, ça va être l'enchérissement, l'inflation sur le prix des denrées de première nécessité. Et tout cela couplé à une situation dans les pays en voie de développement déjà extrêmement fragile où la population, même si l'alimentation est devant elle, n'a pas les moyens de se payer cette alimentation. Au moins 45 pays sont menacés dans le monde. Le candidat écologiste à l'élection présidentielle, Yannick Jadot, a fait une proposition hier pour réagir à cette crise. On a 100 millions de tonnes à peu près de céréales qui sont bloquées entre la Russie et l'Ukraine. Il y a 500 millions de tonnes de céréales stockées dans le monde. 500 millions de tonnes de céréales stockées dans le monde. Donc l'enjeu, c'est d'utiliser ces stocks pour faire en sorte que ces pays aient évidemment accès à des céréales. Alors, factuellement, le chiffre est bon avec les 500 millions, mais Yannick Jadot oublie de préciser comment on utilise ces stocks. La moitié, 250 millions de tonnes, appartiennent à la Chine pour son marché intérieur et notamment gérer les récoltes difficiles selon les saisons. Ensuite, 100 millions de tonnes sont en Ukraine et en Russie, inaccessibles donc. Il reste 150 millions de tonnes qui sont partagées entre tous les pays du monde pour leur marché. En clair, Yannick Jadot veut retirer du blé à des gens qui sont dans le besoin pour le donner à d'autres en besoin urgent. On a demandé à Action contre la faim comment répondre à cette famine qui se profile. D'abord, il faut de l'argent pour soutenir la réponse humanitaire d'urgence, mais il faut aussi de l'argent de manière structurelle pour que les personnes pauvres puissent se payer la nourriture qu'elles ne peuvent pas se payer aujourd'hui. Et puis enfin, il faut de la volonté politique pour changer les systèmes. Le système alimentaire mondial est extrêmement inéquitable, extrêmement inégalitaire. Il est urgent de répondre à la crise, mais aussi de prendre les mesures systémiques pour changer ce système. Boris Cyrulnik, au vu de la crise et de la famine qui se profile en Afrique, est-ce que l'on peut espérer un élan de générosité, comme on l'a vu avec la crise en Ukraine et la guerre en Ukraine ? Je vais paraître un peu cynique, mais je vais répondre non. Parce que pour développer le processus d'empathie, il faut avoir une proximité affective. Il faut qu'on soit proche, qu'on parle la même langue, qu'on ait la même couleur, la même religion. Et à ce moment-là, je pourrais me représenter votre monde. Et là, j'aurai un processus d'empathie facile. Et plus on est distant par la religion, par la culture, par la langue, par les croyances, plus on est distant, moins j'aurai d'empathie pour vous. Et c'est, même si les autres meurent, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Poutine, si les autres meurent, c'est pas grave. Mon empathie est complètement arrêtée. Savez-vous que depuis qu'on parle, 7263 Chinois sont morts. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça me trouble. Ça vous trouble ? Un petit peu. Un petit peu. Parce que vous me l'avez dit tout à l'heure aussi. Un petit peu. Oui. Oui, est-ce qu'on peut lutter quand même par cette on peut lutter contre cette indifférence Par bonheur, oui. Oui. Je pense qu'on peut lutter. Alors, il y aura des gens généreux, comme après les petits incidents, on voit toujours la même chose se répéter. Il y a en même temps les gens généreux à court, et ils sont d'une générosité et d'un courage extraordinaire. Et en même temps, les escrocs à court pour profiter du malheur des gens. Et on voit dans un phénomène social, on voit les deux phénomènes en même temps. Alors, politiquement et culturellement, on peut encourager un phénomène ou l'autre. Et il est certain que si on peut organiser l'accueil de ces gens, et ça va être fait. Mais ça va être fait après explication.
ça ne sera pas fait spontanément. Ça sera fait en expliquant que le Congo est un beau pays. Les Égyptiens sont déjà actuellement en difficulté de blé, de famine. Et puis, il va bientôt y avoir la sécheresse qui a déjà commencé. Donc, cette immigration qui ne fait que commencer, je pense que si on veut éviter l'arrêt de l'empathie, c'est-à-dire la perversion sociale, si les autres meurent, ça m'est complètement égal. Si on veut éviter ça, il faut organiser l'accueil. Certains vont le faire très bien, d'autres refuseront de le faire. Patrick. Pour éviter la famine, il faut d'abord et surtout arrêter la guerre. Le blé en Ukraine et en Russie, il a été récolté l'an dernier. La récolte ensuite est à venir. Pour l'instant, l'essentiel de la montée des prix, c'est de la spéculation. Et donc, c'est dans les mois à venir et si la guerre se prolonge, effectivement, qu'il y a un risque de pénurie mondiale majeure. Mais l'urgence, c'est d'arrêter la guerre. Merci beaucoup, Mohamed. Marion, c'est l'une des images du jour, les obsèques d'Ivan Colonna. C'était cet après-midi à 15h dans son village natal de Cargèse, au sud de la Corse. Ce sont des Corses qui vont rendre hommage à l'enfant du village, au père de famille, au mari, et puis qui vont rendre aussi hommage au nationaliste qu'il a été, bien évidemment, sans oublier que nous, on regarde ces images. Donc on va quand même rappeler que cet homme a été condamné, Ivan Colonna, pour l'assassinat d'un préfet, condamné par trois fois. Ivan Colonna, on le rappelle, est mort lundi à Marseille après avoir été agressé début mars dans la prison d'Arles. Des obsèques qui se sont tenues dans un climat particulier d'apaisement par respect pour le deuil de la famille et des proches, mais aussi de colère sourde et de remobilisation des nationalistes. Ainsi, parmi les images marquantes de ces dernières 24 heures, il y a celle de Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, qui porte le cercueil d'Ivan Colonna, ou celle encore des drapeaux corses, européens et français en berne, alors que l'annonce par le gouvernement d'une ouverture de discussion sur l'éventuelle autonomie de l'île de Beauté divise les candidats à la présidentielle. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé sur ce plateau. C'est bien la collectivité qui a mis les drapeaux en berne, ce n'est pas l'État. J'ai dit mon désaccord profond au président Simeoni, je lui ai dit oralement. Les propos qu'il avait tenus, ou qu'ont tenus un certain nombre d'élus de Corse, comme les gestes qu'il fait sont une sorte d'insulte aussi pour la famille Erignac, pour l'État français, pour les représentants de l'État. Il y a à la fois une responsabilité, sans doute, je mets des guillemets, de l'État dans ce qui est arrivé à M. Colonna, le respect à sa famille, mais en même temps, ce que nous voyons est excessif, est une forme d'insulte aussi pour l'État français. Bonsoir Patrick Kanner. Bonsoir. Président Bonsoir. Du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat, soutien d'Anne Hidalgo, candidate à la présidence de la République. La mise en berne des drapeaux par la collectivité, une insulte, dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vous partagez ce... Le mot est fort, en tout cas, une décision politique que je ne comprends pas, je le dis très, très simplement. Le début des discussions pour l'autonomie ? Écoutez, M. Colonna a été massacré dans une prison de la République. Il en est mort, mais il est en train de payer sa dette à la nation. Donc moi, je regrette bien évidemment qu'on n'aille pas déjà comprendre ce qui s'est passé dans cette prison. Je trouve que c'est le cas, une information judiciaire a été ouverte. Oui, enfin, le silence quand même du gouvernement, et en particulier du ministre garde des Sceaux, est quand même assez... Qui ne peut pas s'exprimer sur ce dossier, oui, vous le savez très bien, il a été l'avocat d'Ivan Colonna. Il peut le faire par d'autres moyens. Bon, donc... dont acte, un homme est mort en prison, il aurait dû être protégé puisqu'il purgeait sa dette vis-à-vis de la nation. Donc aujourd'hui, il est rapatrié, son corps est rapatrié donc chez lui, en Cargèse. Je pense qu'il faut respecter ce moment de deuil. Je regrette qu'il y ait eu une utilisation politicienne au travers de la mise en berne des drapeaux. Moi, je trouve ça tout à fait anormal. La candidate Anne Hidalgo l'a rappelé aussi, comme d'autres. Et ce qui est aussi très anormal, c'est de relancer le chantier de l'autonomie comme cela, sur un bout de table, en lien avec cet événement. Sous la pression, c'est ce que... Ce n'est pas si simple. Et moi, j'aurais aimé que déjà, puisque la collectivité de Corse a été créée en 2018, on fasse déjà le premier bilan de cette évolution statutaire, institutionnelle, ce qui n'a pas été le cas. Donc, voilà, réaction un peu au doigt mouillé, ça a été dit, je crois, M. Cohen, tout à l'heure. À propos de toute autre chose. Mais c'est aussi sous la pression d'événements et d'agitation nationaliste et aussi de faute de l'État qu'il y a 20 ans, le processus Matignon a été lancé sous un gouvernement socialiste. C'est vrai. Et qui a abouti à un changement de statut. Il y a eu, je rappelle, l'assassinat du préfet Erignac, l'arrivée du préfet Bonnet, l'affaire des paillotes
Et là-dessus, le scandale des paillotes et là-dessus l'ouverture de discussion. La loi NOTRe de 2015, donc nous avons porté à l'époque, a permis de faire évoluer le aussi, statut. Donc on est plutôt là après, à courir après le vent corse. Quoi. Et je pense qu'il faudrait une vraie négociation avec des élus responsables qui sont capables d'être autour d'une table. Voilà, Monsieur Colonna est décédé, il faut respecter voilà, cette période de deuil. Mais le chantier de la construction de l'avenir de la Corse, à mon avis, sera plus compliqué qu'on ne le pense. Retour à la campagne, Patrick Kanner. Dans les sondages d'intention de vote, pour le premier tour, Anne Hidalgo est crédité de 2%. Elle est au coude à coude dans les sondages avec Jean Lassalle. Quel bonheur. Pardon ? Quel bonheur. Ah oui, pour vraiment qui... À vous de choisir. Vous avez encore l'envie de plaisanter ? Le sens. Ah, mais écoutez, moi, vous savez, je suis en campagne. J'aime bien reprendre la phrase d'Henri Emmanuelli quand il a été battu aux primaires par Lionel Jospin pour une élection aussi présidentielle. 95. Il avait dit, en 95, il avait dit, mais il y a un journaliste qui lui pose la question, est-ce que vous avez des états d'âme ? Emmanuelli répond, quand on est socialiste, on n'a que des états de service. Ouais. Voilà. Il a fait plus que 2%. Hein. 2%, je le concède. Mais voilà, on a des états de service. Mais vous pouviez imaginer ça. Même, on parlait quand même de catastrophe avec Benoît Hamon qui faisait quand même 6,4% au premier tour. C'était déjà une catastrophe en 2017. Là, vous êtes à 2. Est-ce que c'est quelque chose que nous vous pouviez imaginer? Nous verrons bien le 10 avril. Qu'est-ce qui pourrait inverser la tendance? Écoutez, alors, nous, on continue à travailler. Demain, Anne Hidalgo sera à Toulouse dans un meeting où il y aura 2000 personnes. Là, la campagne a commencé quand même. Écoutez, la campagne a commencé depuis longtemps. Ah. Simplement, c'est une campagne dans des conditions totalement extraordinaires. Je veux dire, la crise du Covid, voilà, faire campagne avec les masques, sans pouvoir aller rencontrer les gens dans les bonnes conditions. L'effet drapeau, pour reprendre l'expression journalistique, qui profite aujourd'hui au président de la République. Une gauche en confetti et on n'arrive pas à développer nos arguments. Non, Madame Hidalgo, voilà, et on dit souvent une femme en titane. Moi, je peux vous dire que voilà, elle a la nuque raide, elle a la main ferme, elle continue à travailler le cœur vaillant. Est-ce que nos idées sont aujourd'hui comprises? Sûrement pas par assez de citoyens et d'électeurs potentiels. Je vous le concède. 2%, je préférais être au double, au triple, au quadruple, dont acte. Simplement, est-ce que ce que nous représentons aujourd'hui va disparaître? La réponse est non. Je vous le dis haut et fort, la réponse est non. Nous avons... À 2%, ce n'est pas loin de la disparition. Hein. Écoutez, oui, le pronostic vital n'est pas engagé pour le Parti Socialiste. Nous en reparlerons, M. Cohen. Moi, je le dis très simplement, nous avons 100 parlementaires aujourd'hui. J'ai la chance de présider le premier groupe parlementaire de gauche au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale, en l'occurrence. Nous avons la gestion de 25% des villes de plus de 100 000 habitants, 30 départements, 5 régions métropolitaines. Nous allons voir une étape difficile, je le suppose. On va continuer à se battre. Mais j'ai bien compris que ce serait quand même difficile pour continuer à espérer d'être au deuxième tour. Mais en tout cas, nous y voulons y aller jusqu'au bout. La NIAC, comme dit souvent Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Et après, il y a une élection législative qui, j'espère, rebattra les cartes avec des sortants et aussi un projet politique. Monsieur Mélenchon, aujourd'hui, nous capte, bien sûr, beaucoup de voix, potentiellement. Nous avons dit ce que nous avions à dire sur Monsieur Mélenchon et les choix politiques qui sont les siens, notamment sur le plan international. On n'est pas là pour, entre guillemets, soutenir un gourou. On est là pour savoir qui est le mieux placé pour être président de la République. Madame Taubira, voilà, a eu une période d'existence qui lui a permis, malheureusement pour ce qui nous concerne, de jeter un trouble dans la gauche de gouvernement. Elle n'est plus là. Et nous subissons aussi aujourd'hui donc l'effet drapeau que porte M. Macron. Ce qui signifie que notre espace est restreint, je vous le concède. Est-ce que nos idées sont inutiles pour répondre à l'urgence climatique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique? Oui, les idées survivront. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, c'était lui, notamment, qui était visé tout spécialement par François Hollande lorsqu'au meeting de Limoges, en milieu de semaine, François Hollande était venu soutenir Anne Hidalgo, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a particulièrement visé, comme l'ont constaté Louis Amar et Anaïs Recouli. Une gauche éclatée, déséquilibrée, dès lors que la place prise par la frange la plus radicale interdit toute conquête du pouvoir. Une démarche perdue d'avance qui nous écarterait de notre chemin européen, nous priverait de nos alliés et n'aurait de projet pour la République laïque que la créolisation. J'ai eu des mots clairs sur ce qu'il représente, c'est-à-dire un risque s'il devenait président de la République. Ceux qui annoncent
une sortie de l'énergie nucléaire sont des irresponsables ou des menteurs. Les deux ne sont pas incompatibles. Je ne voterai jamais pour Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est l'extrême gauche et les Trotsko. Donc non. Vous croyez que c'est un mec de gauche, ça ? Il est d'où alors ? Ah, je ne sais pas d'où il est, mais il est à côté de ses pompes, sûr. S'il y avait Macron-Mélenchon au second tour, vous feriez quoi ? Ben, je ne sais pas, peut-être bien que je n'irai pas. Je serais bien emmerdé. Vote blanc. Entre Emmanuel Macron et lui, vous votez pour qui ? Pour l'instant, je vote Anne Hidalgo, ça me suffit. Mais vous voteriez pas Jean-Luc Mélenchon ? Je vote Anne Hidalgo au premier tour. Et au second ? Mais au second, on n'est pas là, on est au premier tour pour l'instant. Ils sont bien les Limougeaux. Hein. Au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Formule consacrée, donc... Donc vous voilà. Éliminerez qui au deuxième tour ? Alors écoutez, si M. Macron, qui semble être là, à coup sûr présent au second tour, se retrouve devant l'extrême droite, il est clair, ma main ne tremblera pas, comme elle n'a jamais tremblé, ni en 2002, ni dans ma région des Hauts-de-France, quand Xavier Bertrand était face à Mme Le Pen. Donc voilà. Mais par contre, interrogeons-nous quand même sur le fait que M. Macron s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus d'extrême droite au second tour en 2022. Vous pouvez reprendre toutes les expressions, y compris de M. Benjamin Griveaux, en 2017. Aujourd'hui, l'extrême droite n'a jamais été aussi forte. C'est de ça, il faudra un jour s'interroger, M. Cohen, sur le pourquoi nous avons aujourd'hui une extrême droite à 30%. Ce n'est pas la faute des oppositions, c'est de la faute de la majorité. Attendez, quand on a une politique qui est une politique de fracture sociale, gilet jaune, une politique où on ne respecte pas les corps intermédiaires, les élus locaux, même si aujourd'hui on les met en avant, il ne faut pas s'étonner que les extrêmes prospèrent. Extrêmes à gauche, M. Mélenchon, extrême à droite, Zemmour, Le Pen. Il faut regarder les choses en face. M. Macron n'a pas permis, finalement, le retour d'un clivage républicain, potentiellement, on verra bien encore une fois le 10 avril, mais je vous le dis très simplement, l'engagement qu'il a pris n'a pas été tenu. Merci Patrick Kanner, président du groupe socialiste, merci. Écologiste et républicain au Sénat et soutien d'Anne Hidalgo. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Mathieu. Attention, un événement ce week-end, Mathieu. On change d'heure. Oui. Et alors, premier petit test. Oui, c'est moi qui ai hérité du marronnier. Tous les six mois, on change d'heure. Juste pour voir si vous êtes au point, on recule, on avance ce week-end ? On recule d'une heure. Elle a retenu l'info essentielle, Marion. On avance d'une heure et on a une heure de sommeil en moins. Ah non, c'est dur. Moi, j'ai du mal aussi, pour être très honnête, Babette. À deux heures du matin, il sera 3 heures, voilà. Dans la nuit de samedi. On perd une heure de sommeil, c'est ça. Décision prise suite au choc pétrolier de 73. Tiens, ça nous rappelle des souvenirs. Entrée en vigueur du changement d'heure en 76. Une mesure pas forcément très bien accueillie à l'époque. À 1h du matin, exactement. Il vous faudra avancer votre montre de 60 minutes pour vous mettre à l'heure d'été. Cela signifie que pendant 6 mois, vous partirez 1 heure plus tôt à votre travail, mais aussi que vous rentrerez chez vous 1 heure plus tôt. Mon fils prend son biberon à 7h le matin, donc avec le décalage, enfin l'avancement d'horaire, il le prendra à 8h. Oui. Normalement, à 8h, je suis partie de la maison pour aller travailler. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je pense que dans ces cas-là, ce sera mon mari qui lui donnera son biberon. Il est d'accord ? Pour l'instant, pas tellement. Le problème, si on faisait payer les compagnies pétrolières, il n'y aurait peut-être pas retourné 1 heure en arrière. Mais on le faisait bien avant. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est du tape à l'œil. Bonsoir Damien Mascret, médecin généraliste, bonsoir. Journaliste à France Télévisions. Est-ce que ça pose un vrai problème pour le biberon des bébés que de changer d'heure ? Alors pour le biberon, je ne sais pas, mais pour le métabolisme, oui, le corps n'aime pas ça, il n'aime pas ce changement d'heure. Et en particulier celui qu'on va faire dans la nuit de samedi à dimanche. Hein, le passage à l'heure d'été, c'est une catastrophe. Alors c'est vrai que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe métabolique, ah oui. Oui, parce qu'on s'aperçoit que plusieurs semaines après, on a encore un décalage qui persiste dans l'organisme. On a cette hormone, le cortisol, hein, qui nous prépare à la journée, hein, qui est un peu une hormone stimulante. Ouais. Eh bien, elle reste plus élevée, effectivement, mais plus tard, 58 minutes plus tard que prévu, qu'elle devrait le faire normalement. Ah. Ça a été prouvé par une étude australienne. Donc, on voit bien que notre corps, lui, on n'en a rien à faire de ces histoires politiques. Il reste décalé d'une... Il y a un vrai jet lag, quoi. C'est un vrai décalage horaire. C'est un vrai décalage horaire. Et le pire, c'est que ça a un
retentissement sur le métabolisme. On n'aime pas ça pour le métabolisme des sucres, le métabolisme des graisses. C'est-à-dire que tout d'un coup, on digère, on stocke moins plus bien, de sucre, et plus de... donc on grossit à cause de... Alors, et j'en suis à mon centième changement d'heure, vous imaginez encore une raison de grossir, il y en a beaucoup, mais encore une raison de grossir. Ouais. Bonne excuse. Et puis surtout, on a un impact immédiat, c'est-à-dire que dans les trois jours qui vont suivre, à partir de lundi, mardi, mercredi, on va avoir une augmentation des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux. Ah ouais. Alors attention, c'est seulement 5%, vous allez me dire 5% c'est quand même pas mal sur une population, mais chez les plus de 65 ans, il y en a peut-être autour de cette table, eh bien c'est plus 20%, voire 25% d'augmentation. Donc il y a vraiment un pic d'infarctus qui est lié à ce passage à l'heure d'été. Cela dit, quand on est passé à l'heure d'hiver, on expliquait qu'il y aurait plus d'accidents sur la route, donc finalement... Mais alors, c'est pas les mêmes. De retrouver un peu de lumière. Bon, alors, on a écouté les Français de 1976. Aujourd'hui, qu'en disent-ils? Iban Raïs et Anaïs Recoulis sont allés leur poser la question. Je suis contre. Parce que ça fatigue tout le monde. On ne sait plus où on est. Bon, voilà, pendant quelques jours, on est un petit peu désorienté, on va dire. Ah, moi, franchement, je suis pour. Parce que déjà, il y aura plus de soleil, on aura plus le temps de profiter. Je suis en stage infirmier et que ça m'enlève une heure dans ma nuit. Et du coup, je risque d'être un peu plus fatiguée, sachant qu'on a des grosses journées. Ça me donne envie de sortir, ça me donne envie d'aller au Champ de Mars, me balader par exemple. On a quand même plus de soleil à partir de la semaine prochaine, oui, c'est forcément bénéfique. Il y a aussi des avantages, avoir plus de soleil, ça c'est un avantage. Avoir des plus longues journées, des soirées plus agréables, c'est un avantage, c'est bon pour le moral également. L'inconvénient en fait viendrait de ces nuits courtes, c'est-à-dire la nuit courte de samedi à dimanche. Beaucoup vont la raccourcir, on va peut-être avoir des gens qui vont passer une nuit de 5 à 6 heures. Et je vous rappelle que quand vous passez une nuit de 5 à 6 heures, c'est comme si vous aviez 0,8 g d'alcool dans le sang, par exemple, si vous prenez la route. Les accidents sont doublés. Patrick dort très peu. Hein. Eh ben, conduire fatigué, c'est conduire bourré. Exactement. Je dors 5 heures. Et bien, vous prenez plus de risques. Vous avez deux fois plus de risques d'accident que quelqu'un qui dort 6 ou 7 heures. Donc, il y a une accidentologie qui est augmentée. Donc, les conseils. L'important, c'est de faire une bonne nuit. Alors, vous allez me dire, se coucher plus tôt, ça ne va pas être facile samedi soir. On risque de ne pas avoir envie. Ça veut dire qu'il faut se lever plus tôt déjà samedi matin. Parce qu'au fil de la journée, si vous vous êtes levé tôt le matin, vous avez une pression de sommeil qui augmente. Et donc, vous aurez envie de vous coucher plus tôt. Après 21 heures d'éveil, en général, on commence à s'assoupir. Les bébés font ça très bien, par exemple. Alors eux, vous pouvez mettre la sono à côté, ils vont s'endormir parce que la pression de sommeil devient très forte. Nous, on résiste un peu, surtout si on a le malheur de prendre des tablettes, par exemple, des écrans, qui là retardent la sécrétion d'une autre hormone, qui est la mélatonine, qui nous prépare au sommeil. Donc, il faut faire attention, éviter les tablettes, éviter de fumer, évidemment. Ça aussi, ça stimule le cerveau et ça retarde l'endormissement. Donc, il faut y penser, éviter. Dormir dans l'obscurité, une nuit samedi à dimanche, dans l'obscurité, c'est important. Vous parliez de grossir. On a une étude la semaine dernière qui nous a montré, qui nous a confirmé, plutôt expliqué pourquoi les gens qui dorment avec une petite luminosité dans la chambre grossissent en moyenne de 5 kilos de plus en 7 ans que ceux qui dorment dans l'obscurité totale. Alors juste d'un mot très bref, en 2019, on avait décidé d'arrêter au niveau européen pour 2021 et finalement, on n'arrive pas à se mettre d'accord entre pays européens sur heure d'été ou heure d'hiver. Et en ce moment, ils ont peut-être d'autres chats à fouetter au niveau du Parlement européen. Merci pour cette précision, alors qu'il nous restait exactement 10 secondes pour conclure, Mathieu Béliard. Merci Boris Cyrulnik. Le laboureur et les mangeurs de vent, libertés intérieures, intérieur et confortable servitude, c'est aux éditions Odile Jacob. Je l'offre de votre part à Patrick Caner. Merci beaucoup Damien Mascret d'être venu avec autant de bonnes nouvelles sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, le dîner de C'est à vous, les actualités de Bertrand à suivre dans un instant. A tout de suite.